حد يسالف حد والوقت حمات المولى جود عليا بكرالي يا مشات شور ولا تغفير سقفي صاحبي وسول ويا محبوب الخاطر يا بغيت لا معود صبر كلام attirante, belle. Comment ils y arrivent sans phare ni miroir? Quelqu'un nous regarde par le trou de la serrure. Dieu, le diable, Moïse, Jésus, Mahomet. Non, personne. C'est moi qui observe ma femme dans son paradis, de mon coin d'enfer. Le vice continue, même dans l'au-delà, ciel. Enfin, je crois, grâce à mes empreintes, de leur amour est né un danseur, mais non plus de douceur. Il fait du ballet, la violence d'aimer, enfant souvent une certaine douceur de vivre. Et le contraire, qu'en est-il à n'y rien comprendre? Ben on n'y comprend rien. Ben voilà, c'est ce qu'il faut. Moi j'ai adoré ce mot. C'est très amusant. C'est très amusant. Alors, dans la même. Enfin, puisqu'il s'agit un peu de poésie, je ne sais pas, de ma poésie, pas de la poésie. Ouais. Là, c'est. Il y a bleu de l'âme. Le sang n'est jamais loin. Insidieux, vicieux. L'humain se fond dans la quadrature du cercle pour se donner un sens. Ou sentir ses sens. Et pourtant, on y croit toujours. Il en va de l'avenir de l'espèce. Laquelle? Dans son délire, pris entre toutes les couleurs, il tend un doigt. Mmh. Est-ce pour le mettre quelque part? Trou d'honneur, fente à chercher, erreur à trouver, mourir d'amour, pour feindre une réexistence. L'amour coûte trop cher aux survivants. Quand on veut enterrer quelqu'un, ça coûte toujours très cher. Dieu. Ouais. Pour une fois, entre les mains d'enfants. Pour une fois, il joue son rôle. Arc-en-ciel. Que demandent les croyants? Un peu de pratique, rien d'autre. Le monothéisme, du moins ce qu'il en reste. Depuis Jérusalem, Athènes, Constantinople, Rome, la Mecque, Tolède, Cordoue, et après, les tours jumelles. Ils étaient plusieurs, et tellement changeants. À notre image, mon errance, mon Jésus, mon pardon, mon amour, mes stigmates, mes croyances, mes moi, mes devenirs, mes humanités, mes divins démons. Je suis aveugle, je suis sourd, je me tais. Symbole de mon monothéisme, un pharaon montrant la voie à Moïse. Qu'en est-il pour Jésus? Qu'en est-il pour Mahomet? Qu'en est-il du prochain? Cherchez l'intrus. Enfin, prêteuse sur gage, et moi offert par mes lettres à ceux qui brûlent les livres. Tu m'as prêté ta langue, tu n'as fait que la prêter. À quel taux? Seuls tes apôtres le savent. Suis errant dans tes évangiles, dans ton corps de vigne, grisé, comptant tes grains de beauté, cette année, crucifié, langue finalement louée, avenir stérilisé, passé au côté, nous n'avons fait que médire, bébé. Séduisance étrange, une main squelettique caresse, les contours infinis d'une histoire sans lendemain, coin, recoin et cachette s'offrent aux sirènes, appel du grain de sable. Momifié je suis. Et pour terminer, peut-être,
nickel. Bon, court. Te déplaire. Boire. Griser. Crier. Écrire. Faire de lui. L'opiomane avachi en compagnie de rêves rêvés par d'autres avec lui. Le muezzin vient me sortir de ma prière pour toi. Je suis dans l'apostasie amoureuse. Où est-il le bûcher des vaniteux? Conversion après avoir tant aimé Dieu. Je vais mettre Arto. Je ne peux savoir combien ton absence est prolifique en rime. Magnifique silence, pudeur et tabou face à l'immensité muette de ta présence. Tu me suis indispensable éloignement. Et je m'aime. Et puis rien, aucune réaction. Je vais passer un mauvais moment. Et moi, et toi, veux-tu bien me prêter ton silence, ma carte, ma voix, communion, rien en retour, dépit et regret, tu t'en doutais. Comment rester sans croire aimer, te rejoindre dans mon oubli, ne fût-ce que le temps d'une boisson hydrogénétique. Remuer plutôt dans la plaie est trop dangereux, alors je reste là où je suis, non là où tu m'as installé. Viens visiter ma solitude, tu n'auras ni guide ni chaperon, tu verras par toi-même combien il est facile d'assassiner mes fantômes. Merci, c'est Abdelhaï Sadir pour cette merveilleuse soirée de l'insolite, oui, de l'inédit, oui, des paradoxes, des fantasmes, oui, mais sur fond de dérision, de provocation et de génie. Et de traits de génie, j'allais dire, traits de génie, de lumière, des yeux de lumière. Jeune. Voilà, les jeunes. Alors c'est moi qui vous remercie infiniment. Et c'est une... De m'avoir accordé... Ouais. J'aimerais bien si Alex S. Qu'est-ce qu'il peut dire sur son... Sur Abdelhaï Sadir. Ce serait très intéressant à savoir. Quoi? Ce que Alex S. peut dire sur... Abdelhaï Sadir. Encore faut-il... qu'il l'ait rencontré un jour. Pas de chance. Le plaisir de se retrouve souvent tous les trois autour d'un verre vide et le remplir de leurs émois fait que ils coexistent, ils ne peuvent nullement se passer l'un des deux, les deux de l'un, les trois du zéro. Le zéro n'est-il rien d'autre que cette configuration astrale, cosmique, qu'on appelle vaniteusement Dieu, et qui de nous n'a pas fait ses sujets, il a fait tout simplement de nous ses plus beaux amants. Croire en lui, le toucher, le caresser, c'est s'aimer soi-même et reconnaître qu'un fragment de l'intelligence divine est en chacun de nous. Et qu'aucunement, quel que soit ce que nous produisons, quel que soit ce que nous disons, ne peut être autre chose qu'à l'image du divin marquis. Est-il un marquis, un duc, un baron ou un roi? Jamais aucun titre de noblesse ne lui sied comme il se doit. Il est Dieu, et Dieu restera toujours Dieu. Et c'est lui que nous cherchons partout où nous allons. Et serait-il, ne serait-il pas, celui qui a perdu son fils chéri et qui le cherche? Toutes les rencontres ne sont rien d'autre que ce baiser entre celui en qui nous croyons et celui qui croit en nous. C'est peut-être nous, les seuls dieux.
تعبي وشقايا وعلى يغوط بالزواق لباسهم القايا